Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un programme vraiment très intéressant, avec trois matchs sur trois compétitions différentes. Le premier avec le déplacement chez l'Uletano pour la Coupe du Portugal. Voilà, c'est une troisième div, donc normalement ça doit être abordable. On va faire tourner vraiment sur ce match parce que 4 jours après, on va recevoir Osijek, une équipe croate pour la Conference League. Ça va être vraiment un match important, on pourrait passer devant eux en deuxième place en cas de victoire. Donc ça va vraiment être important pour pouvoir espérer se qualifier là pour les phases qualificatives, enfin les phases à élimination directe quoi. Et 4 jours après, on va se déplacer sur le terrain de Maritimo pour le grand derby de Madère. Donc autant vous dire que là c'est 3 matchs sur 3 compétitions différentes, mais vraiment 3 victoires obligatoires. Même si tous les résultats nous donneront favorables. Mais voilà, on n'a pas le choix. C'est une victoire ce soir. Et c'est une victoire aussi sur les deux autres matchs. Là, j'ai pas mal fait tourner. Hein. Franchement, je suis parti chercher même 2 joueurs en réserve. En espérant que ça suffise pour passer ce soir face à l'Uletano. Honnêtement, j'ai quand même je suis assez confiant. Mais sait-on jamais. C'est parti. L'Uletano National de Madère. C'est parti. Allez, ce serait bien qu'on arrive à se mettre à l'abri. Dès le début de match, honnêtement. Allez, mais attention, pour l'instant, c'est une touche avec Rodriguez, c'est Rico, attention, on passe sur le début de match, attention, Bruno Silva, et voilà. Et voilà. C'est incroyable. Voilà, voilà. C'est bon. C'est la note. Voilà. On se retrouve au quart d'heure de jeu, obligé d'aller chercher le résultat. Oh là 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 là. Attention, Rodriguez maintenant, pour le coup franc. On met à Rodriguez à nouveau. Ça passe à nouveau sur la gauche avec Bruno Silva qui va très vite, attention à pas faire de faute. Attention, Rico, ça passe en fond, franchement. 22e minute, pas du tout l'étoffe d'une équipe favorite sur ce match-là. Ah, ça va pas du tout, ça va pas du tout. On va demander plus là. La mi-temps qui approche, on a strictement rien à faire. Ah, c'est bien, on tire, mais derrière, voilà. Le coup franc pour Francisco Ramos, Derrick. Oh là là, frappe en fait sur la traversée, sur la coupette. Et... Oh là là. C'est poussif. Hein. On va prendre pour Lucky, et pourquoi pas avoir la mi-temps. Là, ça va pousser, Derrick, la pointe récupère, mais ça donne à rien, la mi-temps qui s'approche. Et voilà, ça va pas du tout, les gars. Je suis sûr d'avoir apprécié le spectacle, très clairement. On va tirer à vue, on va mettre plus de rythme. Allez les gars, montrez-moi franchement, là il y a des joueurs ici là sur la feuille de match qui doivent montrer des choses. Pour l'instant je vois rien du tout. Allez, Bruno Silva avec Garcia maintenant. Pedro Marcelo, c'est près du temps hein, pour relancer, ils ont raison, ils font leur match. Taylor, ça passe à droite avec Kirikou. Ah, ils font tourner. Maintenant, Panavati qui récupère bien le ballon. Attention, Anderson Oliveira maintenant. Le milieu de terrain adverse, Palacios maintenant sur la droite avec Lopez, Palacios à nouveau. Le centre qui est loupé, Lopez, Anderson, voilà l'égalisation, Anderson Oliveira. Voilà, parfait, c'est un des joueurs à qui je demandais de montrer les choses et qui pour le coup voilà, le montre avec un but décisif. C'est quand même bon d'être obligé d'aller chercher un résultat face à une équipe comme ça, normalement. Ouais, s'imposer sans problème et au final ils ont 2 tirs, une frappe, un but et nous derrière on galère quoi. C'est pas bon du tout. On va faire rentrer Gonçalo Ramos à la place de Brian Rochette qui me déçoit et qui confirme qu'au final j'ai raison de pas miser sur lui cette saison. Allez, il reste plus que quelques minutes. Perdu, ça peut faire mal. Taylor, Bruno Silva, Ralph, ça passe sur la gauche maintenant, voilà, c'est récupéré. Bon, ça va vraiment être un peu pour la contre, mais ils sont 5 en face de lui, ça va être compliqué. Et pourquoi pas, non, c'est repoussé, c'est pas sûr. Il va récupérer tranquillement. Attention à ne pas faire d'erreur maintenant. Ça passe au milieu avec Panada qui leur met à droite. Palacios qui va prendre sûrement sur Elias Lopez. Voilà. Le centre, on passe à Ramos. Anderson Oliveira. Le poteau qui vient sauver les troupes de Monotano. Il s'en sort tout le monde. Très clairement. Camacho qui va repasser à la place de Anderson Oliveira. Il va sur le côté gauche. Panada, Lucky.
prolongation. Hein. Franchement, c'est pas bon du tout. 3 jours, enfin 4 jours, pardon, dans le match de l'Europe, c'est pas bon du tout. Et Taylor maintenant qui peut avancer avec le ballon. Attention, on se prend un but. Dans les dernières minutes, maintenant Bruno Silva qui va très vite, qui élimine Camacho. Attention. Attention, peut-être une dernière occasion avec Ruyan Kalinasan. Allez, Palacios maintenant. Allez, pourquoi pas la mettre sur le côté droit, c'est fait avec Elias Lopez. Allez, il y a de l'espace. Allez, le centre s'est repoussé. Et là, Dubois. Qui a tout le temps du monde là, pour récupérer le ballon. Allez, avance un petit peu là. Allez, on va chercher quelque chose là. Allez, ça passe sur la droite avec Palacios. Witty, Elias Lopez, il n'est pas qui est seul. Allez, ça passe une fois à Camacho. Et le but. Oui, monsieur. Voilà, je vois Camacho là, qui vient chercher le deuxième but. Franchement, là, le hold-up, c'est dommage. Pour les Netanyahu, ils ont quand même mérité un meilleur résultat que ça. Mais voilà. Le résultat qui vient enfin être en retard, 30 secondes à la fin du match. On va dire qu'on est satisfait, mais honnêtement, c'est pas vrai du tout. Franchement, on n'a pas à courir après le résultat là, face à une équipe comme ça. Oh là là, ça a été très très chaud. Ah, la session qui démarre sur un rythme de merde, mais il va falloir montrer autre chose, les gars, même si après, c'est pas la même équipe qui va jouer là dans 4 jours. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et je sais pas si entre temps, là, le tirage au sort. Ah bah voilà. Le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe du Portugal. On va faire le tirage automatique jusqu'à tomber sur notre équipe en espérant ne pas tomber sur une première div. Et voilà, c'est chose faite. Voilà, avec Tondela. Bon, c'est pas la meilleure équipe de première div, mais ça reste une première div. Putain, mais il y a. Oh là là là. On a aucune chance hein, sur le tirage. Voilà. Voilà. Voilà, c'est. Ouais. Donc ça va être très bientôt hein, le match face à Tondela. Ouais. Ouais bah ouais. Ok. Bah écoutez, y a rien de spécial à dire. Hein. On a pas eu de chance là, sur le tirage. Mais bon. Quoi qu'il arrive, ça reste une équipe abordable. C'est notre niveau. On est peut-être même sans trop m'avancer légèrement au-dessus. Mais ça va pas se jouer à grand chose. Hein. Honnêtement, je suis pas satisfait du tirage. On aurait pu avoir mieux. Voilà, donc là on est donné favori là, face à Osijek. J'espère vraiment qu'on va donner raison au pronostic. Et on va mettre l'équipe type là. Honnêtement, qui a été proposée par l'adjoint. C'est clairement l'équipe type. Donc il va falloir gagner. Parce que si on gagne pas avec cette équipe là, c'est qu'au final on n'a pas forcément notre place ici. Honnêtement, Gabriel Rojas. Non, t'es pas sérieux. Non, 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 non. Mais non. Mais non. Oh là 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 là. C'est quoi ça? 3 à 4 mois quoi. Oh là là là. Ah, de la Vibora qui est pas encore prêt hein, pour enchaîner autant de matchs comme ça, mais non. Alors bah on va devoir compter en priorité sur Wiki, hein, très honnêtement. Oh. Ah, c'est pas bon du tout ça, putain. Voilà. On va suivre les consignes de l'adjoint. Là, bon, bah, du coup, mis à part Rojas hein, qui est pas là, le reste c'est l'équipe type. Donc voilà. Oh là là, 3 à 4 mois, c'est énorme. Ouais. Ah, ça faut pas revenir avant janvier, février. Ah, ça va être dur, ça va être très très dur. Voilà. Là, on a vu Castrati. J'aurais une petite dédicace à notre ami Arthur Rey. C'est un joueur du coup qui l'utilise pas mal avec CSVT. Je sais pas si vous regardez ces vidéos, mais elles sont vraiment cool, elles sont vraiment intéressantes.
Et je lui fais un petit big up, voilà. Allez, début de match, national de Madère, Osijek, c'est parti. C'est clairement la victoire ou rien. Normalement, en 4 victoires, on passerait devant. C'est dommage. Ça nous aurait fait du bien, hein. Ça m'a clairement bien lancé. Mais ouais, on va motiver tout ça. Allez, les gars. 7ème minute de jeu, une touche maintenant pour Elias Lopez, allez, on sait vraiment ce qu'il y a à Lopez. Et le centre, c'est un bon sur le côté gauche, qui va chercher à centrer, non, il a vraiment retrait pour Sandri. Lucky à nouveau, le centre, mais c'est un bon sur le là. Ça fait qu'on est en train sur le premier mi-temps, on mériterait de marquer déjà, on est en Lucky, il a raison, c'est pas passé. Minute, on s'approche de la mi-temps là, toujours 0-0, et Vitória Plissen qui vient de marquer, qui sont déjà 9 points, ça va être dur d'aller les rattraper ceux-là. Allez. Je suis pas satisfait du tout. Allez, on en a un peu plus, on va passer peut-être en offensive, on va tenter un petit peu plus de rythme aussi. Je suis pas satisfait du tout là, avec la perte de Rojas. C'est lui en plus qui tirait à chaque fois les corners et les coups francs. Il a vraiment un beau pied gauche. Mais bon, on va compter maintenant sur Wifi, mais pas avec Samia sur le côté gauche. Qui provoque et qui passe. Allez, Sandri, réseau, Capacho, non. C'était très très chaud. Il a un peu marqué. Mais encore une fois, c'est loupé. Et la défense aussi. Donc c'est qui donne tout, qui fait tout chez ce match nul. Peut-être commencer à penser à des choses. Castrati va tenter la repousse, mais c'est. C'est capté par Fabio Ramos. Elias Lopez, c'est bien liberté. Allez, cherche à construire, c'est bien, mais il va falloir passer devant maintenant. Allez, c'est chaud, ça peut être Camacho. Allez, lance Elias Lopez sur son côté droit. Liberté. Allez, on va faire avancer le centre, les gars. Allez, on va tout le temps maintenant le centre. C'est bien. Offensif, on va peut-être effectuer des changements maintenant. Je pense qu'on va prendre des risques là. On va prendre des risques, on va passer à deux pointes. On va passer à deux pointes avec Sandri, comme ça, voilà. Allez. On va essayer comme ça. Allez, il n'y a plus qu'un petit quart d'heure. Il va falloir chercher un petit but là quand même. Franchement là, 17 tirs à 2. Si on n'arrive pas à marquer là, on a des regrets. Carioca, petit, attention, on se va prendre maintenant, Kavic. De leur première grosse occasion peut-être. Attention, Vincetic, Buki, Kavic, attention, Castrati. Sur Castrati, la frappe, attention, c'est pas bon, c'est très bien. Allez. Et la touche maintenant pour Mimic. C'est maintenant qu'il va ramener avec Jolé. Derrick, allez les gars, il va falloir pousser. Hein. Sandri maintenant avec Sarmiento qui a un petit peu d'espace, allez va provoquer tout ça. Avec Sarmiento, voilà. Le salaire Ramos, c'est qui rentre dans la surface. Le centre va se récupérer maintenant, c'est peut-être en compte avec Thalys. Attention. On va essayer de récupérer le ballon, Flavio Ramos. Avec Zanigo, Camacho, ça passe sur le côté maintenant avec Elias Lopez. Il va marquer un réseau et voilà le but. Oui monsieur, oui. Allez, c'est parti. Voilà, 5 minutes de la fin, 1-0. Alors on met sur pause, on va se remettre en équilibré. On va repasser peut-être. Attends, on va sortir Mathias Arezzo. On va faire rentrer Gabi. On va faire rentrer Gabi, voilà. Et surtout, je voulais gagner un petit peu de temps. Voilà. C'est ça. Je veux gagner du temps, même beaucoup. Et puis voilà. Allez, on va féliciter déjà. Allez, sifflement cette fin de match. Attention, le corner maintenant pour Lucic. C'est une idée de la suite, c'est chaud.
Agressif, on laisse arriver. Voilà, ça fait 1-0. Voilà, très très belle opération là. Une très très belle opération. On a quand même eu chaud. Ouais. Allez, 190 000 euros pour la nationale, c'est très très bon ça. Financièrement, voilà le président qui doit être content. Allez, on va enchaîner tout de suite là avec Maritimo. Réunion de recrutement. Club Monsalves aussi. Ouais, c'est. Ouais. Non, non. On va pas s'occuper de ça tout de suite là. J'ai envie qu'on passe au match. Ah, je suis quand même dégoûté là avec Rojas, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Je l'avais dit hein, que c'était un des joueurs qui allait être le plus sollicité. Et puis au final, je pense que c'est pas une surprise hein, qu'il soit blessé. De la Vibora qui est un bon joueur, mais c'est pas encore une valeur sûre pour cette saison en tout cas. Je pense que d'ici l'année prochaine, il va commencer à pouvoir être titulaire, mais là cette saison c'est encore un peu juste hein, je trouve. Il me rassure pas encore. Honnêtement, on voit hein, les matchs où il a été titulaire, ça a toujours été poussif, niveau individuel ou collectif. Hein. Donc voilà. On change pas l'équipe pour derby. Quoique. On est favori hein, quand même. Allez. Ah, c'est quand même relou parce que j'ai des bons joueurs. J'ai des bons joueurs devant, mais je suis obligé de faire des choix. Je suis obligé de. Parce que là, du coup, comment ça se passe là parce que là, on joue quand même Braga hein, dans 4 jours, enfin 4 jours après Maritimo. Donc je pense qu'on va peut-être faire tourner. Oui et non, mais. Je pense qu'on va quand même. Féliciter Arezzo du coup d'avoir marqué là, le but de la victoire et on va peut-être laisser Gonçalo Ramos au repos, on va peut-être faire jouer Mathias Palacios qui n'a pas encore beaucoup joué cette saison. Je sais pas, j'hésite quand même entre Gabi et Mathias Palacios mais là les deux j'aurais promis des choses, c'est compliqué quand même. Ah bon, il y a cette saison, c'est poussif quand même. Enfin, sur le début en tout cas. Là, ils font pire que nous. Ils sont 14e pour l'instant. Odegaard qui signe au Paris Saint-Germain. Allez, jour de match. On va attaquer la rencontre. Positif, on va passer en équilibré. Ok, tacler plus durement. Ouais, je suis pas chaud, mais bon, s'il me le conseille. Donc, Gonçalo Ramos qui va sortir de la feuille pour Palacios, ok. Je serais quand même chaud hein, pour faire sortir Ugarte, pour le laisser au frais pour le match face à Braga. Riascos qui va refaire son entrée là. Voilà. Allez, on va y aller comme ça. Après, voilà. Riascos qui sera pas chaud pour finir le match. Camacho à la confession. Continuer sur le dernier match. Allez, c'est le derby. Maritimo National, c'est parti. Allez, il va falloir montrer des choses. Il va falloir montrer c'est qui la grosse équipe de Madère. C'est parti.
ici, pas ici, non, 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 les méchants. Parce qu'il y a déjà un jaune là qui va sortir. Gonzalo Ramos du coup à la place de Palacios. Et Manu Ugarte à la place de Panada. Allez. Il va falloir chercher un début. C'est une occasion de voir la fin du match quand même. S'il vous plaît les gars. Non. Allez, il y a 5 minutes. Allez. Allez. C'est une occasion pour nous, j'espère. Camacho. Ugarte. Ils ont recalé Gonzalo Ramos dans le temps additionnel. Voilà. Magnifique. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Voilà. Allez, là. C'est ça que je veux. Du caractère. Allez, marquer des buts pour cette fin de match. Dans le temps additionnel. C'est parfait. Voilà, là. Magnifique. Oh là 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 là. Oh, quelle session. Quelle session parfaite. C'est. Absolument ravi, il n'y a pas d'autre mot. Oh là 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 là. On va féliciter Sandri. Très gros match, encore une fois, une valeur sûre. Ah, on est obligé d'aller en conf. On est obligé. Allez, je suis content du résultat. Voilà, tout est beau, tout est rose. Ah, ça nous change hein, du début de saison. Oh là 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 là. Je suis aux anges là, il n'y a pas d'autre mot. À la prochaine session, on va se taper Braga et Osijek, hein, parce que du coup, il y a quand même pas mal de temps entre Osijek et Tondela. J'ai pas envie d'avoir à simuler deux semaines, parce que ça va être trop risqué. J'ai pas envie de prendre une blessure là, comme avec Rojas. Non, non, c'est mort. Oh, on va se quitter sur ça, les amis. Honnêtement, là, c'est que du bénéf, là, c'est que du bénéf. On arrive au quatrième tour. Bon, malheureusement, on va tomber sur Tondela. Tondela, hein, qui sont quand même à égalité avec nous. C'est-à-dire qu'il faut quand même un bon début de saison, quoi. Et on est vraiment à égalité. Que ce soit en termes de points, de différence de but. Et puis voilà. Là, en conférence League, on a réussi à passer au deuxième. Avec cette belle victoire là face à Osijek. C'est vraiment lourd. Et puis voilà quoi. Franchement, je pouvais pas rêver mieux pour cette session. J'étais pas très confiant, honnêtement, sur Osijek, que je sais pas. Enfin, je savais pas réellement ce que ça valait. Et puis Maritimo, voilà, ça reste toujours un derby. C'est compliqué de les jouer aussi. Mais on a fait le taf. On a eu peur. On s'est fait peur.
Mais voilà, le résultat est là. Je suis content. Je suis très 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 content. Et puis c'est rassurant aussi pour moi de voir que les joueurs que je fais rentrer arrivent à réagir. Du coup, sur le match, je sais plus, je crois que c'est contre Lauletano, ouais. Avec Camacho qui rentre et qui marque. Arezzo après qui marque en fin de match, je crois, face à Osijek. Je sais pas s'il avait commencé le match, je crois qu'il avait commencé le match. Mais voilà, après Gonçalo Ramos qui rentre à un quart d'heure de la fin et qui marque dans le temps additionnel, voilà, c'est satisfaisant pour un entraîneur de voir ses choix qui portent leurs fruits. Et puis voilà, du coup, moi je vais vous laisser sur cette belle note. Et puis j'espère vraiment que vous avez pris du plaisir là, du coup, à regarder cet épisode-là. Moi en tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à le commenter, même si c'était un petit peu chaud, j'ai eu chaud un petit peu quand même. Mais voilà, elle se finit de la meilleure des manières. Et je vous remercie encore une fois, comme tous les soirs, je vous remercie de me suivre, de continuer à regarder. Et n'hésitez pas surtout à partager, à laisser des commentaires, des pouces bleus, et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est vraiment une des choses les plus importantes. J'ai besoin d'avoir le plus de visibilité possible. Et je compte sur vous, s'il vous plaît, à partager parmi vous, parmi vos proches. Je sais pas, il y a peut-être des cousins, cousines qui jouent aussi à Football Manager. Je sais pas, des potes, des mecs dans votre classe, je sais pas. Mais faites un effort, s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. C'est juste un petit geste, c'est juste un petit bouton à cliquer, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à demain à la même heure. Ciao!